Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu le parcours qu'il va y avoir. Et oui, parce que le Tour de France, Kev, qu'est-ce qui se passe le Tour de France? Ah bah, le Tour de France, c'est une étape contre la montre le 9 juillet, ici à Cholet. Alors ça part d'ici, il y a un trajet de 30 km. Donc qui parcourt entre Saint-André-de-la-Marche, la Séguinière, la Romagne. Ça fait un petit peu le Tour des Mauges. Voilà, tout à fait, ça fait le Tour des Mauges. Quelques anecdotes. J'ai envie de te dire, Kev, on est chaud. On est chaud. On est les chauds. Décoré pour le tour, comme vous pouvez le voir. Ouais, très belle décoration. Là. Magnifique. Ils ont mis les moyens. Donc on arrive à Saint-Lizier sous Cholet. Voilà. On va faire notre première étape. Voilà, on a le panneau. Avec un joli coq tout jaune. Aux couleurs du Tour de France. Et déjà le chronomètre. Hein. Première ville étape, Saint-Lizier sous Cholet. Ouais, donc avec ce magnifique chronomètre qui a été mis en place par la ville de Saint-Lizier sous Cholet. Ouais. Seule tristesse, on aurait aimé avoir le temps restant avant le Tour de France. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus intéressant. Oui, mais justement, le temps restant avec le Tour de France, il est à l'hôtel de ville de Cholet, pour ceux qui ne savent pas. Donc si vous passez devant l'hôtel de ville de Cholet, vous aurez le temps restant décompte en jour. Tout à fait. Juste ici. Voilà, le fameux. Oh putain. Donc, on va s'arrêter. Je vais casser la caméra. Voilà. Vous pouvez voir que juste ici. Le plot du Tour de France. Voilà.
à fait. Tourne, hein, non, on va encore, tu vois, tout droit là-bas. Tout droit. Là-bas. Ici, là. Là, ouais. Dans Stella la Romagne, voilà. La Romagne, oui, il y a la, Stella de la Romagne, tout à fait. Donc là, vous voyez bien. Ouais, on a la vision, hein, même quand on. Les magnifiques. Voilà, il n'y a plus rien. Décorations. Et donc là, nous arrivons à la Romagne. Tout à fait, bienvenue. Commune très connue pour son tennis de table, notamment. Communauté d'agglomération du Choletais. Vous le savez tous, hein, cette fameuse équipe de Stella la Romagne. Mmh. Qui a été champion de France cette année de tennis de table. Au moins, ils ont été champions de France. Au plus haut niveau. Et du blanc aussi, hein, maillot du meilleur jeune. Absolument, maillot jaune. Donc là, maillot jaune, maillot du meilleur jeune, maillot de grimpeur et maillot de sprinter. Non, c'est maillot de pas sprinter. Absolument. Et voilà. Donc du coup, là, nous arrivons, donc, voilà, c'est Guignard, très connu pour le shopping. Il a un bon appart. Et il y a une borne, kilomètre 2. Ça y est. Non, je l'ai pas eu malheureusement. Cholet, on voit la belle fresque. Voilà, une magnifique fresque qui a été donc dirigée par la ville de Cholet. On voit et également aussi le chronomètre que vous pouvez voir juste là-bas. Avec fabriqué en partenariat avec Baudet, entreprise locale. Local. Ah oui. Matérialisé aussi. Ah putain. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, on y est, voilà. Et donc nous voici, enfin, on vient de terminer notre périple, notre boucle de 35-40 km de Cholet en faisant toutes les étapes, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-André-de-la-Marche, la Romagne et enfin la Séguinière. Une étape douloureuse pour nous en voiture. Alors je pense que c'est surtout pour les coureurs et les sprinteurs parce qu'avec les quelques côtes qu'il y a... Il y a de la montée. Alors déjà que vous savez que la tournée, elle a eu un peu de mal, alors je pense quand même ils vont avoir du mal parce qu'il y a eu quelques côtes quand même qui sont pas mal. Et Kev va vous transmettre les informations nécessaires parce qu'il y en a quand même pas mal ce jour-là. Surtout au niveau de déplacement si vous voulez venir voir le Voilà. Alors sur les déplacements, toutes les routes seront fermées bien évidemment, donc pensez à bien venir plutôt le matin en avance. Et quant à nous, on vous dit rendez-vous au 9 juillet. Oui, et surtout, on sera à présent donc ce jour-là, bien sûr. Découvrir toute la matinée. Et notre ami Kev va sûrement. On verra. Voilà, en tout cas, vous aurez une belle vidéo sur la chaîne TV Chou, bien sûr. Parce que j'ai envie de te dire, Kev, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Allez, à la prochaine. Salut. Bye.